Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez courte. C'est pour vous informer deux ou trois petites choses par rapport à la chaîne, par rapport à l'élevage, mais également par rapport au jardin. Donc je pense que pas mal d'entre vous sont déjà au courant parce que j'en ai parlé sur Instagram, Twitter, Facebook et il me semble aussi sur Snap. J'en ai également parlé dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc je pense que quand même pas mal d'entre vous sont au courant, mais je voulais quand même faire une petite vidéo pour vous informer la totalité des choses et pour mettre tout au clair tout simplement. Donc comme vous avez pu le remarquer, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, pas une seule vidéo. Par contre j'ai été quand même assez actif sur les réseaux sociaux, donc je tiens quand même à m'excuser pour l'absence de vidéos. Vous inquiétez pas, ça va revenir, mais il va y avoir pas mal de changements, c'est ce que je vais vous informer dans cette vidéo. Donc s'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois et demi, c'est tout simplement parce que j'avais pas le temps entre l'élevage, la reproduction qui a très très bien réussi cette année, même limite trop réussi, c'était le gros bordel. Ensuite il y a le jardin, il y a YouTube, les réseaux sociaux, il y a les cours parce que cette année je suis en première donc je passe le bac. Donc voilà, il y a tellement de choses, plus la vie privée, tout ça, c'était impossible de tout gérer. Et en même temps j'ai fait tellement de vidéos là d'un seul coup que ça m'avait un petit peu lassé. Donc j'ai décidé de revenir sur YouTube. Là, en plus c'est les vacances, il commence à faire beau. En plus de ça, là il faisait moche, donc faire des vidéos c'était pas ouf. Donc là je vais être de retour, ça va être les vacances, il va faire beau, il va faire chaud et il va y avoir plein de vidéos. Mais il va y avoir un gros changement, c'est que pour 2020 déjà je vais faire beaucoup moins de jardin. De base voilà, je vais arrêter quasiment tout le jardin, je vais en faire juste pour moi, je vais faire le nécessaire pour moi et je vais arrêter les ventes de légumes, tout ça, ça va être que pour moi parce que j'ai plus le temps de tout gérer. Donc voilà, le jardin ça m'a limite un peu saoulé cette année, donc l'année prochaine j'en ferai un peu moins et je vais également arrêter les vidéos sur le jardin. Voilà, il va y avoir 100% vidéo élevage sur la chaîne, donc je suis désolé pour tous les amateurs de jardin qui me suivaient sur la chaîne. J'avais fait un petit sondage et j'ai remarqué déjà que vous étiez pas beaucoup, il y a 2% des gens qui sont là pour le jardin et 98% qui sont là pour l'élevage. Mais c'est pas pour cette raison que j'arrête, tout simplement parce que je ne peux plus tout faire en fait. Si je fais des vidéos élevage, je peux plus faire de vidéos jardin et le contraire quoi, c'est impossible de faire des deux. Je pense que vous l'avez remarqué en début d'année quand j'ai voulu me lancer dans 50% des deux, j'ai fait 80% de vidéos jardin et tout le reste c'était de l'élevage. Donc j'arrive pas à faire 50 des deux et en plus de ça j'ai plus le temps de tout faire, donc je vais énormément ralentir le jardin et du coup je ne vais plus faire de vidéos sur le jardin. Par contre, pour tous les amateurs de jardin qui ont Facebook, je vais créer une page Facebook où je mettrai, quand j'ai le temps, des photos de mon jardin en 2020. Donc je la ferai certainement en fin d'année parce que là en ce moment, le jardin, j'ai mis ça un petit peu de côté vu que j'ai beaucoup de choses à faire. Je ferai certainement une page Facebook. De toute façon, je ferai une petite vidéo pour vous en informer. Mais voilà, sur la chaîne, il va quasiment plus y avoir de vidéos jardin. Ou alors en cas d'exception, quand vraiment j'ai un truc à vous montrer, ou alors une ou deux par an comme ça exceptionnel, mais il va quasiment plus y avoir de vidéos jardin, pardon, ça va être quasiment que de l'élevage parce que pour moi l'élevage c'est quand même la priorité et le jardin cette année ça a quand même beaucoup saoulé en fait. Et puis les vidéos je trouve c'est toujours pareil et il y en a déjà plein sur YouTube, donc voilà, je suis désolé pour tous les amateurs de jardin, mais je vais quasiment plus faire de vidéos jardin sur la chaîne, si ce n'est que une ou deux par an, grand maximum. Et voilà, je vais me fixer plus sur l'élevage, comme de toute façon, en général, je suis beaucoup plus un éleveur qu'un jardinier. Donc voilà, je vais me fixer plus sur l'élevage. Et si un jour, j'ai le temps de reprendre mes vidéos jardin, peut-être que je reprendrai, mais pour le moment je mets ça de côté parce que je ne peux plus tout gérer. Et de toute façon pour l'année prochaine le jardin je vais quasiment plus en faire, je vais énormément ralentir, je vais faire juste pour moi. Et voilà, donc du coup les amis, à partir d'aujourd'hui les vidéos élevage vont revenir en force. Il y a plein de changements, il y a plein de nouveautés, je ne sais même pas si vous allez réussir à reconnaître. Moi-même je ne sais même plus où on en était en fait la dernière fois. Faut que je regarde la dernière vidéo nouvelle élevage parce que je sais pas du tout à quoi ressemble. Je crois que mon bassin n'est même pas encore fini. Il doit y avoir plein de changements, vous allez voir. Donc j'ai tourné cette petite vidéo nouvelle élevage et ça arrive très vite les amis.
Wally voilà. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Jardimo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à aimer. Et encore une fois je suis désolé pour tous les amateurs de jardin. Je ferai peut-être quand même une ou deux vidéos par an, mais j'ai vraiment plus le temps de tout gérer. Et pour tous les amateurs de jardinage qui ont Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook qui est dans la description. Et puis à rester abonné, comme ça je vous informerai de la création d'une page Facebook pour le jardin. Voilà, c'était Jardimo, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.